Bonjour à tous. La tentative de mise en pièces de la Sainte Église par le pape François Bergoglio continue. Dernière phrase en date, ce dernier a retiré la mention vicaire du Christ de l'annuaire pontifical du Vatican au profit de celui d'évêque de Rome. Une simple petite note expliquant que la notion de vicaire du Christ était un titre historique. Carlo Maria Vigano a réagi par une lettre dont je vais vous faire ici la lecture. Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. Ils en furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main au plat, celui-là me trahira. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour lui que cet homme-là ne fût pas né. » Judas, qui le trahissait, prit la parole et dit « Est-ce moi, maître ?»« Tu l'as dit, » répondit Jésus. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, 21-25. Le 25 mars dernier a été publié l'annuaire pontifical 2020, avec une véritable nouveauté. On dirait un petit détail typographique dans la partie dédiée au pontife régnant, mais ce n'est pas le cas. Jusqu'à l'année dernière, en effet, les titres de François étaient répertoriés en haut de la page, en commençant par « Vicaire du Christ », « Successeur du Prince des Apôtres », etc. et se terminant par le nom séculier et une très courte biographie. Dans la nouvelle édition, en revanche, le nom séculier Jorge Mario Bergoglio se démarque, suivi de la biographie, de la date de son élection et du début du ministère de pasteur universel de l'Église. Tous les titres du pontife romain sont alors séparés par un trait sous la mention « titre historique », comme s'il ne faisait plus partie intégrante du « munus petrinum », qui légitime l'autorité reconnue au pape par l'Église. Ce changement dans la présentation et le contenu d'un texte officiel de l'Église catholique ne peut être ignoré ni imputé à un geste d'humilité de François, qui d'ailleurs n'est pas compatible avec son nom, bien mis en lettres capitales. Il semble plutôt qu'on puisse y voir l'admission, passée sous silence, d'une sorte d'usurpation, où celui qui règne n'est pas le Servus Servorum Dei, mais la personne de Jorge Mario Bergoglio, qui a officiellement nié être le vicaire du Christ, le successeur du prince des apôtres et le souverain pontife, comme si ces titres n'étaient que des clinquants dérangeants du passé. Des titres historiques, justement. Un geste presque provocateur, dirait-on, dans lequel François transcende tous les titres. Pire encore, une mutation officielle de la papauté elle-même, avec laquelle François ne se reconnaît plus comme gardien, mais devient maître de l'Église, libre de la démolir de l'intérieur, sans avoir à répondre à personne. Bref, un tyran. La portée de cet acte, très grave, ne peut échapper aux pasteurs ni aux fidèles, un acte par lequel le doux Christ sur terre, comme sainte Catherine de Sienne appelait le pape, s'affranchit de son rôle de vicaire pour se proclamer, dans un délire d'orgueil, monarque absolu, y compris face au Christ. Nous approchons des jours sacrés de la Passion du Sauveur, qui commence dans le Cénacle avec la trahison de l'un des douze. Il est légitime de se demander si les paroles condescendantes avec lesquelles Bergoglio, le 16 juin 2016, a essayé de réhabiliter Judas, n'étaient pas une tentative maladroite de se disculper lui-même. Cette pensée effrayante est ultérieurement confirmée par la terrible décision d'interdire à la catholicité les célébrations de la très sainte Pâque, pour la première fois après 2000 ans depuis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Matthieu 26, 24. Carlo Maria Vigano, archevêque. Vendredi de la première semaine de la Passion 2020. Le cardinal Gerhard Müller, ancien préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, s'est exprimé en qualifiant ce changement de « barbarisme théologique ». Aucun pape ou conseil œcuménique, dit-il, ne saurait écarter ainsi la primauté papale en particulier, ou en réinterpréter l'essence. Matteo Bruni, directeur de l'office de presse du Vatican, estime quant à lui qu'il n'y a là aucune suppression de titre. Autrement dit, comprenez, circulez, il n'y a rien à voir. In Christo Regit.